Luigi's Mansion 2 HD sur la Switch, épisode numéro 4. Ça y est, nous avons le révéloscope et nous allons partir pour une nouvelle mission dans cet épisode qui va durer un petit moment. Enlever toutes les toiles d'araignée et le manoir, il y en a énormément. Déjà là dans le couloir, vous voyez, on a un petit point d'exclamation qui nous dit qu'il y en a. Et effectivement, on les voit. On en a sur les armures. Attention à ne pas se faire frapper. Il y a en tout 42 toiles à trouver et à nettoyer dans ce manoir. Et vous allez voir qu'elles ne seront pas toutes de la même taille et surtout qu'elles ne sont pas toutes faciles à débusquer. Et en plus de ça, à la fin de cette vidéo, nous allons affronter notre premier boss du jeu. Et je vous laisse deviner ce que nous allons avoir. Je pense que c'est assez facile à trouver justement. Ah bah mince, ils vont barrer la route. C'est vrai qu'il faut courir pour passer. Ah, des araignées partout. Je déteste les araignées. En tout cas, cette pièce est nettoyée. On passe à la suivante. Là, on arrive dans le grand hall. Manifestement, on n'en a pas. Mais là, sur le côté, la petite pièce de droite, dans le dressing, on en a. Alors, ici. Ok. Également, en haut, des toilettes. On les voit bien. Et ah, je crois que dans le dressing, on en a aussi. Est-ce que j'en ai vu près du plafond ou pas? Oui, là. Là-haut également. Je vais quand même regarder à côté. Eh bah oui, là aussi on en a, forcément. Oh yeah. Et quand vous avez les petites étoiles qui vous indiquent que ça brille et que c'est propre, eh bah ça signifie qu'on a tout nettoyé et qu'on peut passer à autre chose. Alors, c'est manifestement à l'étage que ça se passe, mais je vais quand même regarder au rez-de-chaussée si on n'a pas quelque chose. Et je vais passer le révéloscope ici, je ne l'ai pas encore fait. Ah bah, il n'y a plus rien à trouver là, ok. Eh oui, là, nous avons de grosses toiles qu'on va pas pouvoir aspirer. Et il me semble qu'on avait quelque chose de similaire dans Luigi's Mansion 3. Vous voyez, j'ai une grosse boule de toile. Et ça, logiquement, on devrait pouvoir l'enflammer. Et cramer, justement, ces grosses toiles. Justement, on a une bougie là, un bougeoir. Et des araignées qui vous attaquent par vagues en plus. Oh punaise, je vais me faire toucher. Punaise. Tiens, tiens, prenez ça. Bim. Ouais, ça va suffire là, hein. Avec les araignées. Stop. Ok, on y va. Yes, c'était comme ça qu'il fallait faire, cool. Oui. Alors visiblement, on en a encore dans le couloir là. Oh, les araignées qui descendent. Elles viennent d'où toutes ces araignées? Eh bien, vous le saurez à la fin de cette vidéo. Ah, waouh, là, il y en a vraiment beaucoup par contre. Et j'ai plus ma petite boule de feu. Ah
Alors, où est-ce que je peux trouver une boule? Tiens, là, on va peut-être révéloscoper le truc ou juste l'aspirer. Non, ça sert à rien de le révéloscoper puisqu'on le voit déjà. On l'aspire. Alors, peut-être que la boule est encore de l'autre côté du couloir. Est-ce qu'elle est encore là? Oui! Excellent. Par contre, là, le tableau peut le révéloscoper. On est donc déjà à 13 toiles d'araignée sur les 42. Yes, cool. Waouh, un max de pièces d'or, excellent. Bien, ça brille dans le couloir, ça veut dire qu'on en a terminé. Alors, dans la bibliothèque. Ah, on en a en haut. Je sais pas si je vais réussir à l'aspirer d'ici. Tiens, il y a un truc bizarre également. Regardez. Il n'y avait pas un piano là avant? Ah ah ah! Les nébulosphères! Mais c'est pas fini. Eh oui, le piano il est caché! Waouh, un max de nébulosphère. Allez, venez par là. Oh, et nous avons un bout qui apparaît. Allez, viens par là. Tiens, le professeur qui nous appelle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Fantastique, je me réjouis que tu sois parvenu à capturer ce petit bout. Les bouts sont difficiles à avoir. Ils ne deviennent visibles que si leur cachette est découverte. Les bouts se ressemblent, mais chacun d'eux a sa propre personnalité. Tu devrais essayer de tous les capturer. Oui, si on laisse se regrouper, ils risquent de causer des problèmes. Ok, c'est noté. Bon, on en est où? 16 sur 42, ça marche. Ici, bibliothèque est bien nettoyée. Est-ce qu'on en a dans la cuisine et la salle à manger? Visiblement non, on n'a rien ici. Bon, bah, je vais continuer. Je vais peut-être sortir sur le patio. Ah, je sais où il y en a. Sous l'escalier. Là où on a chopé la gemme dans l'épisode 3. Et c'est quoi ces espèces de sphères, là? Je sais pas si je peux les capturer ou quoi, ou si c'est des fantômes cachés. Non, ça marche pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va laisser tomber. J'ai chopé les chauves-souris. Visiblement, il n'y a pas de toile ici, donc on va aller justement là où je vous ai dit, sous l'escalier. Tiens donc, je ne suis pas seul. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Oh oui! Oh yeah! Un max de pognon, ça c'est cool. Je vous ai également dit qu'on pouvait faire fleurir les fleurs en leur mettant un coup de flash dans l'épisode précédent. On va essayer ça. Regardez. Et les fleurs nous offrent quelques petits billets, ça c'est cool, merci.
Alors, direction sous l'escalier. On va voir si on a quelque chose. Elle est où la porte? Elle s'est recachée ou quoi? Ah ouais, c'est bizarre ça. La porte s'est à nouveau dissimulée alors qu'on l'avait fait dans l'épisode 3. Alors, on a toujours des araignées dorées, mais... Alors, bizarrement... Pas de toile. Surprenant, vu le lieu, vous allez me dire. Alors, ici, c'est pareil. Nous avons rien. Ok. Bon, bah on va à nouveau aller à l'intérieur du manoir et regarder où est-ce que nous avons encore des toiles d'araignées. Je pense qu'au premier étage, on va en trouver. On y va, on est de nouveau dans le grand hall. On monte l'escalier, pardon. Ah oui, il y en a plein de points d'exclamation ici. Alors, voyons ça. Est-ce qu'on en a ici? Je crois que je l'ai déjà ouvert ce coffre, non? Bon. Alors, là, on n'arrive toujours pas à ouvrir l'ascenseur. C'est toujours fermé. Oh! Un os doré! Cool! Merci beaucoup. Ça, je prends. Faut qu'on retourne dans la bibliothèque. C'est vrai que j'avais vu une toile. À l'étage. Eh ouais, on en a ici, mais par contre... ouais, d'accord, ça veut dire que là, je peux pas passer pour l'instant. Ah non, oui, la boule, elle est de l'autre côté, regardez, je l'ai aperçue à droite, au fond. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe par la cuisine pour arriver ici. Oh punaise, va falloir que je refasse tout le tour. Allez, direction la cuisine. En fait non, avant d'aller à la cuisine, étant donné qu'on est à l'étage, on va quand même explorer les endroits où on a des points d'exclamation, à savoir ici, dans le couloir et dans les deux pièces à côté, l'atelier, c'était quoi également? C'était une chambre je crois. Waouh, c'est quoi ce truc? On en a partout ici! Incroyable, ça fait froid dans le dos quand même. Ok, donc un truc qu'on peut tirer, une espèce de ficelle de toile d'araignée. Alors vous voyez qu'on a un bougeoir sur le côté... Et on devrait pouvoir l'enflammer ce truc, je pense, et après le propulser vers l'étoile là-bas au fond du couloir. Alors comment on fait? Je vois également qu'on a une petite boule qui est coincée, qu'il faut qu'on libère. Mince. Ah, voilà. C'est comme ça. Le bougeoir, il est incliné. Je pense que maintenant, j'y ai accès. Waouh, 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 waouh. C'est quoi, toutes ces araignées? Mais laissez-moi tranquille. Oh la vache. Je déteste ça. Ok, plus d'araignées, c'est bon. On va pouvoir essayer. Allez, allez, on tire comme un élastique. J'y arrive ou pas? Yes! Ah, c'est une mèche! Trop cool! Oui, et ça libère la boule que je vais pouvoir prendre. Mais attends, est-ce qu'il y a... Ouais, d'accord, ok, à nouveau du feu. C'est cool ce niveau, j'aime bien quand même. Même si j'aime pas les araignées, mais ça, c'est, je trouve ça assez sympa. Ok, et on libère le passage. Oh yeah! 21 sur 42, nous sommes pile à la moitié du nettoyage. Le couloir est bon, et nous avons encore ici deux pièces. Ouf, des fantômes. Attends, on va d'abord nettoyer les fantômes avant de faire le reste. Viens par là, toi! Ouh, un gros molosse.
C'est bon? Non, décidément, il y a une armée ici. Yes. Ok, la voie est libre. Alors, nous avons... Voilà, une petite toile ici. Et vous le voyez, on a de nouveau une espèce de boule, là, accrochée à un fil de toile. Ah, c'est accroché au ventilateur. Alors, il faut du feu quelque part. Bien, bah, c'est... voilà, ok. Donc, logiquement, si je souffle sur le ventilateur... Ah, bah voilà, c'est déjà le cas. Ah, par contre, il faut le faire tourner plus vite pour atteindre le truc du fond, je pense. Oui. Oh yeah. Oh yeah. Pièce nettoyée. Bien, la suite. Là, derrière, on a encore une gemme qu'on n'arrive toujours pas à enlever. Hein. Alors, la pièce suivante, elle est à côté. Il me semble que c'est le bureau. Et il faut passer par le lit qui est rétracté, là. Excellent, j'adore. Ok, donc là on a un peu de travail aussi. Je sens qu'il y a des araignées. Il y en a une là. Ok, c'est propre. Par contre, il y a un truc derrière le rideau encore. Je sais plus comment on fait pour sortir d'ici. Ah si, c'est sous le tapis que ça se passe. Mais avant, ici, il y a un truc. Oui, le révéloscope. Faut qu'on l'utilise sur ce tableau. Et nous avons une gemme, les amis. Ok, le but, ça sera de toutes les trouver. Tac. Et ça nous libère le passage vers la cheminée. Je sais plus où ça nous emmène par contre. Ah mince, on est de nouveau au rez-de-chaussée. Dans l'atelier ici, eh bien nous n'avons rien à récupérer pour l'instant, on n'a plus rien. Ah mais par contre on a toujours des fantômes qui nous embêtent. Ok, bon, maintenant qu'on a libéré cette aile et qu'on a fait l'étage, quasiment l'étage, on peut se diriger là où on voulait aller tout à l'heure, à savoir vers la cuisine. Donc on fait tout le tour et on se retrouve là-bas. Voilà, direction l'étage avec le monte-charge. Dans la salle à manger. Ah,
Alors, est-ce qu'on a quelque chose à nettoyer ici? Oh, nous avons un gros molosse. Viens par là, toi. Visiblement, je ne suis pas seul. Ah, un autre. Ah, mais il y en a énormément ici. Waouh, deux en même temps, quoi. Ça y est, c'est bon. Ah, tiens, on a une porte ici qui nous mène où? Ah, un lieu où j'ai pas encore été. Le balcon. Alors, le balcon. Et visiblement, bah là, on le voit, on a des toiles. On a ici une boule. Mais le problème, c'est que j'ai pas de source de feu. 26 sur 42. Derrière, il faut que je brûle avec du feu. Et devant, eh bien, je peux pas passer. Alors, attendez voir. Qu'est-ce qu'on a? Je peux regarder de l'autre côté. On a une espèce de barbecue, un bougeoir également, mais... Mais comment on y... Comment on vient par là? Attendez. Ah là, j'ai une espèce de mèche là qui pend. Est-ce qu'en la tirant suffisamment fort, on arrive à la claquer contre le bougeoir en face qui prendrait feu? Ah, c'est peut-être une solution, je vais essayer ça encore une fois. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je pense qu'il y a une autre solution. Il y a autre chose à faire. Peut-être un autre passage. Je vais essayer une dernière fois, mais non, je pense que c'est pas le cas. Bon, allez, on va continuer notre exploration. On a encore le haut de la bibliothèque, d'ailleurs, à nettoyer. Voilà. Bah, ça... J'ai un tableau à révéloscoper qui va nous donner du feu. On va pouvoir enflammer la boule et libérer le passage. Parfait. Ok. Ah, il y a un truc au-dessus, regardez. Visiblement, on a également un grenier à visiter. Et je crois savoir comment faire pour y arriver. Ok, cette pièce est nettoyée. Il nous reste donc encore 13 toiles d'araignée à trouver. Ça en fait beaucoup. Je sais qu'on en a sur le balcon. Mais on n'en a pas 13 hein, sur le balcon. Alors je vois comme un... Vous voyez sur la carte du balcon, il y a un trait noir. Ça signifie... qu'il y a peut-être une porte qu'on n'a pas encore trouvée. Il faudrait qu'on réussisse à arriver de l'autre côté de ce trait noir là. Qu'on essaye de trouver la pièce. J'ai l'impression que c'est... Le couloir après le grand escalier. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a peut-être un truc de caché. Là, sur ce... voilà, c'est... Regardez par terre. Il y a comme un paillasson. J'ai comme l'impression qu'ici, à l'endroit où il y avait le trait noir sur la carte, nous avons une porte dérobée ou cachée peut-être. Alors on va se rendre dans le couloir. Je crois que c'est le couloir où on a l'ascenseur qui est barré pour l'instant. Qu'est-ce que vous en dites? On va y aller, on va essayer de voir.
Alors, logiquement, si je regarde la carte, ça serait ici. Qu'est-ce que vous en dites? Et on devrait avoir un passage quelque part. Peut-être sur ce mur-là. De toute façon, je vois que cette solution. Mais oui, elle était là. Tout simplement depuis le départ. Oh là 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 là. Eh bien, la voilà, la porte. Je peux vous avouer que je l'ai cherchée pendant un petit moment. Alors, on va déjà nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Voilà, on a un petit lingot qui est dans le renfoncement également. Allez, on prend ce truc. Et bim, et voilà. Et maintenant, bah, tout simplement, on peut également libérer et dégager l'autre côté du balcon. Oh yeah, et c'est propre, 34 sur 42, ça veut dire qu'il nous reste encore 8 toiles d'araignée à trouver. On a quasiment nettoyé l'intégralité du manoir, il y a un endroit qu'on n'a pas encore exploré depuis le début de l'aventure, à savoir le grenier. On l'entreaperçoit lorsqu'on est sur le haut de la bibliothèque, mais pour trouver le passage, eh bien, vous allez devoir bien regarder et bien chercher. Lorsque vous êtes dans le grand couloir, au premier étage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais il y a un pompon qui pend du plafond et la trappe d'accès au grenier se trouve là-bas. On va y aller. Regardez, vous le voyez? On l'a vu tout à l'heure. Et voilà! Direction le grenier. Ah ouais, il y a du boulot là, on en a pas mal. Oh, ça fait du bien. Attention. Bon, bah je pense qu'il va falloir qu'on traverse la poutre. Juste en dessous, nous avons la bibliothèque. Attention à ne pas tomber. Alors là, Luigi doit faire attention de ne pas perdre son équilibre. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Gare à la chute. Oh, 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 oh. Et bah voilà, c'était prévisible. En fait, ce qu'il faut faire, c'est incliner la manette dans le sens opposé pour que Luigi ne perde pas son équilibre. Et bah voilà, je parle et je tombe encore, décidément. Allez, on se concentre. Allez, Luigi, tu peux y arriver. Courage! Oh punaise, c'est pas possible! En fait, ce que je fais, moi, j'incline le stick analogique. Et c'est pas ça qu'il faut incliner, c'est toute la manette. D'ailleurs, c'est marqué en bas, hein. J'ai pas fait gaffe. Ok, on y est arrivé. Alors, plus que 4, pas 5, plus que 4 toiles. Et qu'est-ce qui va nous attendre après? Je pense que le professeur va nous appeler. Alors, 3 toiles à trouver. Plus qu'une.
Elle est où cette dernière ? Elle est là. Oh, et regardez, on a même une gemme à libérer. Alors ça sera pour plus tard. À noter qu'elle se trouve là. Alors, il m'appelle. Yes, il m'appelle. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Attention, je crains le pire. Ça sent le boss. Bravo Luigi! Sans cette toile, le manoir va pouvoir retrouver tout son lustre. Malheureusement, nous avons un problème plus urgent sur le bec Barzen. J'ai découvert l'endroit d'où venaient ces araignées. Je t'expliquerai tout ça dès que tu seras de retour. Télépixelisation imminente! Ouais, je crains le pire. Je crains le pire. Pour l'instant, on va vidanger notre Ectoblast 5000 et on va voir ce qu'il a à nous dire, le professeur Karltastrophe. Content de te revoir, mon garçon. Est-ce que t'as capturé de nouveaux fantômes ? Oh oui, je vais pouvoir améliorer mon équipement. Ok, révéloscope niveau 2. Et ça, c'est cool, car la durée de vie était très très courte. Là, on va pouvoir révéloscoper un peu plus longtemps. Chouette. Bon, et maintenant ? Pendant que je me débarrassais de cette toile d'araignée, j'ai fait une découverte capitale. J'ai isolé un signal paranormal particulièrement puissant émanant des profondeurs du manoir. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, ni pourquoi l'oculographe ne l'a pas détecté plus tôt. Mais je sens que ce signal a un lien direct avec, ou indirect avec l'invasion des araignées. Malheureusement, établir l'origine précise du signal n'est pas une mince affaire. Dès que j'aurai réussi, et que je vais réussir, je t'enverrai sur place pour enquêter. Je n'en doute pas. Poussière, étoile, terminée. Poussière, étoile, jeu de mots de poussière d'étoile. J'ai détecté un phénomène paranormal incroyablement puissant. Dans l'antre de la bête. Ok. Eureka, j'ai réussi. J'ai enfin localisé la source de ce signal paranormal. Il provient de la cave. Bien entendu. Oui, t'as parfaitement entendu. De la cave, cette pièce sombre et mystérieuse. T'as peur? Je te comprends, mon garçon. Les caves ont une réputation tellement sinistre. Mais j'ai toute confiance en toi, Luigi. Nous allons trouver ce qui est derrière cette histoire. Ajuste tes bretelles et prépare-toi pour le combat. Ok, l'ascenseur fonctionne. Donc c'est pour ça qu'il pour l'instant était verrouillé. C'est lui qui va nous mener à la cave. L'ascenseur du premier étage. On y va. Je crains le pire, mais nous allons affronter notre premier boss, les amis. C'est parti. Let's go. Il nous file la clé. C'est quoi? Ok. Ça doit être la clé de la cave. Ok, bien, vas-y, on va y aller. Explorons cette cave, cet endroit sinistre, lugubre et humide, où devrait se cacher un boss particulièrement poilu, avec plein de pattes. Ah, c'est cool, il nous emmène directement à l'endroit, ça c'est classe. Affronter la source du signal paranormal. Eh bien, on y va, let's go. I do it. Yeah.
Oh oh. Alors? Il est pas rassuré. Allez. Des petites pièces à prendre. Waouh. Et je pense qu'on est dans le vif du sujet, là, les amis. On a une toile géante derrière qui vous file des frissons. Bon, bah, je pense que je vais devoir tirer sur la petite cheville F. Hein. Vous êtes prêts? Allez. On y va, c'est parti. Waouh! Elle est énorme, mais elle paraîtrait presque mignonne des fois. Bon. Maintenant, va falloir trouver comment l'abattre, cette araignée. Wow. Alors, j'ai déjà peut-être une idée. Peut-être qu'il faut lui faire un coup de spectroflash lorsqu'elle a les yeux grands ouverts pour la sonner. Essayez. Oui! Ce qui nous permet d'en profiter pour prendre cette mèche et tenter de l'enflammer. Mais ah, elle nous tire des trucs dessus, c'est quoi ce machin? Mais ça a fonctionné. Alors, attendez voir. Ah! Elle essaye de l'éteindre, mais ça ne marche pas! Trop fort. C'est qui lui? Un fantôme qui a un truc. J'ai l'impression qu'il a une pierre en lui. Est-ce que ça serait un fragment de lune? Alors, comment on fait déjà? Waouh! C'est quoi, c'est le signe infini? Il aurait de l'énergie infinie? Ok, l'araignée de retour, phase suivante. Waouh, qu'est-ce que tu fais là? Elle est où? Ok, elle va un peu plus loin, ça marche. Alors, on recommence, on nettoie d'abord les araignées. C'est peut-être du poison, ça. Oh, punaise. Ouais, ça doit être du venin. Ah, attendez, faut pas faire comme ça. Je pense qu'il faut faire virevolter le truc. Ouais, mais elle me laisse pas tranquille, en fait. Ok, donc il va falloir bien calculer son coup pour que ça arrive pile au moment où l'armure descend son truc. Voilà, là c'est cool. Ok, une deuxième armure a fait son apparition. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je continue avec ce truc ou pas? À moins que... Ah, elle est dégueulasse, l'araignée dernière. Regardez. Oh! J'en ai la chair de poule. Yes, c'est comme ça. Allez, vite. Est-ce que j'ai le temps? Oh! Il faut éviter les araignées, le venin. Vite. J'ai bon.
c'était... Ok, mais alors comment je fais maintenant? Ah, il faut peut-être reprendre le truc là-haut. Allez. Oui! C'était ça! Waouh, mais la technique, elle est trop classe! Boum! Et le fantôme à l'énergie infinie revient. Bon, maintenant qu'on sait comment faire, c'est relativement facile. Allez, viens par là. Et je pense qu'il va y avoir une troisième phase, à moins que ce soit déjà terminé. Non, elle est pas contente, l'araignée, elle revient. Ok, donc je pense qu'il faut faire pareil. Allez. Ouvre les yeux. Sauf que ça, je l'emmène où maintenant? Ah, je l'ai perdu! Mince! Faut tout refaire. À moins que ça soit ça qu'il faut que j'emmène. Je pense que c'est ça, oui, il y a une armure à libérer. Waouh, là par contre faut que je fasse attention à mon énergie là, 40. Yes! Et l'avantage, c'est que les araignées, elles aiment pas le feu, donc dès que j'avance, elles remontent. Oh oui, ça fait du bien ça. Voilà, ça y est, cette fois-ci, on est pas mal. Boum. Et là, je pense que nous arrivons à la fin du truc. Yes. Allez, viens par là, toi. Oui! Ouh. On l'a eu! Et regardez, il a recraché le fragment. L'araignée, elle est au bout. Est-ce qu'elle est... Elle est terrassée? Enfin, un nouveau fragment de lune sombre. Lune noire, les amis. C'est le deuxième fragment. Oh oh! Mais c'était trop cool, ce premier boss. Même si l'araignée était terrifiante. Ah, elle rétrécit, tiens. C'était vraiment super classe, je trouve. Alors attention, c'est pas encore fini. Ah si, le professeur nous appelle. Hello. Fascinant cet esprit de que peuvent posséder les êtres vivants et contrôler leurs actions. Logiquement, je vais donc l'appeler Mange-Esprit. Mais revenons à nos ectomoutons. À moins que je me trompe, ce qui va sans dire hautement improbable. Ce mange-esprit possédait aussi un fragment de lune noire. Mais au fait, tu vas bien? Cet affrontement était plutôt rude. Mais grâce à mon Ectoblast 5000, t'as montré que ce Kaïd avait aucune chance. Ouais, bon, ok, tu as mérité un peu de repos. Télépixelisation, c'est parti. Niveau terminé. Mais maintenant, qu'est-ce qui va nous attendre dans l'épisode 5? Étant donné qu'on a fini avec le manoir, où est-ce que nous allons aller? Oh, il y en avait encore une.
Pfiou, quelle aventure, Luigi, mon garçon, tu t'es battu comme un lion. T'as donné une bonne leçon à cet ectoplasme. Il est temps de regarder de plus près ce fantôme parasite. Formidable! Maintenant que nous avons récupéré ce fragment de lune noire, il ne reste plus qu'à retrouver tous les autres. Oui, effectivement. Mais avant, faut le purifier également, non? Allons, mon garçon, ne pensais pas réellement que c'était déjà fini, quand même. Les fantômes savent qu'il ne faut pas garder tous les œufs dans le même plat. Dans le même plat. Panier. Oui, exactement. Ok, commençons déjà par étudier ce fragment, t'as raison. Nom d'un globule, le fragment est couvert de néfastes roses. Il a besoin d'un bon nettoyage. Oh, et nous avons un nouvel endroit qui s'offre à nous. Et maintenant, si ma théorie est bonne... Oui, le brouillard a disparu dans une partie de la vallée des ombres. Mon oculographe a sans doute pouvoir détecter d'autres fragments de lune noire. Jetons un œil à la carte pour voir cela de plus près. Ok, c'est ici. Comment s'appelle cet endroit ? Youhou, aucun doute, nous devons enquêter à présent. Ici, ok. Bien, manoir du désespoir, c'est terminé. Maintenant, la tour des détours, un chef-d'œuvre d'architecture gigantesque, bâti près d'un arbre. Ok. Les anciens propriétaires avaient une passion dévorante pour les plantes exotiques. SOS plombier, c'est le niveau qui va nous attendre dans l'épisode numéro 5. Tu y as hâte d'y être, Luigi, n'est-ce pas? Non, forcément. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle sera notre mission dans le prochain épisode? Nous devons redonner l'intégrité à la lune noire. C'est vrai qu'il ne l'a pas encore fait, il va la nettoyer. Et nous allons donc nous retrouver très prochainement dans la tour des détours. Les tours sont dans un état assez déplorable. Le système d'alimentation en eau n'a pas l'air de fonctionner. Le moment sera bien choisi pour faire appel à un plombier. Bref, tours des détours sont dotés d'un système d'alimentation en eau particulièrement complexe. Il y a plusieurs mécanismes, dont l'hydrogénérateur qui fournit de l'électricité au bâtiment. Ok, au rez-de-chaussée, hydrogénérateur, c'est là qu'il va falloir qu'on aille. C'est par là que tu vas devoir commencer ton enquête. Tu pourras rencontrer de nombreux fantômes. Bonne chance, Luigi. Et on y va. C'est là que nous serons dans l'épisode 5. Moi, j'ai hâte d'y être. J'espère que vous y serez également et que cet épisode vous a plu. Rendez-vous très très prochainement pour la suite des aventures de Luigi. D'ici là, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je vous dis à très très bientôt. En tout cas, l'endroit a l'air assez incroyable. Merci à tous et à très très bientôt les gars. Bye bye, ciao.